Bonjour, c'est George Clooney. Tous les matins, en buvant mon café, j'écoute l'insolite de Lionel Duchamp. Lionel Duchamp, what else? Et le voici, Lionel Duchamp. Pour commencer, on va écouter un petit extrait. Mais qu'est-ce donc, Lionel? C'est le nouveau son qui déchire, comme disent les Jens, pour être un futur tube, peut-être un futur pub sur les dance floors. Ah, on se la joue un petit peu in hein, ce matin. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la chanson qui est passée un peu inaperçue et pourtant elle va jouer un rôle très prochainement. Pourquoi? On va parler des présidentielles qui arrivent à grands pas et vous l'avez entendu, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, était l'invité de Claire Chazal hier soir sur le plateau du journal de TF1. Il lui demande s'il est candidat pour 2012. Voici ce qu'il répond. Claire Chazal, les Français souffrent et je ressens, comme beaucoup de Français, que la France est humiliée quand elle subit la loi de la République des partis. Quand nous voyons les Verts, les Mais quand est-ce qu'il répond? Alors, ils sont comme ça, les politiques. Hein. Impossible de répondre à une question sans nous faire un débat sur l'état des lieux de la France. Hein. Impossible de dire oui ou non. Alors, Domi, est-ce que tu es candidat ou pas? Alors, je n'accepte pas cette situation. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Et donc la enfin, chanson, il le lâche. C'est ça. Alors on a entendu la chanson tout à l'heure. C'est la chanson de son nouveau parti République Solidaire. Mm-hmm. Voilà. Donc il se la joue un peu de Jones. Ouais, c'est ça. Alors il sera candidat. Il avait quand même déjà annoncé en filigrane le 8 septembre dernier sur le plateau du Grand Journal présenté par Michel Denisot. Et d'ailleurs Jean-Michel Apathy avait même fait un pari. Moi je parierais 1 euro qu'il ne sera pas candidat. Eh ben voyez, il a tort. 1 euro, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup engagé. Vous êtes de se tromper. Non mais vous êtes C'est très vraisemblable, voilà, comme il a annoncé Jean-Michel Apathy a perdu 1 euro. Voilà, quand on investit 1 euro, ça veut tout dire sur l'investissement que l'on fait quand même. Très bien, merci à Lionel Duchamp en tout cas, qui est dans l'actu, hein, puisqu'il s'est déclaré hier, hein, Dominique de Villepin, donc candidat au présidentiel. Absolument. On a le petit extrait encore là de la chanson, ouais, de la chanson de Dominique de Villepin quand même sur son nouveau parti. Ah oui, son écoutez. Nouveau parti. Voilà, ça déchaîne Lionel Duchamp et les passions en tout cas ce matin. Merci Lionel pour l'info insolite. Rendez-vous demain. Ah oui, dès demain, en pleine forme. À demain. À demain.